Une prise de parole importante. Depuis plus d'un an, Diane Oller nous avait habitués à être suractive. Pendant son année de règne, Miss France 2022 n'a pas chômé une seule seconde. Entre ses déplacements aux quatre coins de la France, métropolitaine et outre-mer, sa matinale sur Europe 2 et son inscription en auto-école, la jeune femme de 25 ans n'a pas eu une minute pour elle. Et si, depuis qu'Indira Ampio a pris le relais, Diane Oller est libérée de certains engagements, elle n'a pas pour autant ralenti son rythme de vie et freiné. Jusqu'à ce mercredi 8 février. Si est-il au bout de sa vie que Diane Oller est apparue en story de son compte Instagram. Bon, j'accepte rarement de me mettre sur pause, a-t-elle concédé, tandis qu'elle partageait une image d'elle au fin fond de son lit. Mais cette fois, Diane Oller n'a pas eu vraiment d'autre choix que d'écouter son corps. Aujourd'hui, si est-il le mauvais jour du mois et j'ai beaucoup trop mal au ventre, a-t-elle déploré. Et de renchérir, je suis clouée au lit. Déjà, ce matin, l'émission, c'était très dur à tenir niveau douleur. Si est-il vraiment insupportable d'être bloqué comme ça. Chez moi, ça varie vraiment d'un mois à l'autre mais là, si est-il affreux. Une confidence qui, espérons-le, lèvera le tabou sur les règles et les douleurs qui les accompagnent. De quoi faire prendre conscience à certains qu'il n'y a aucun problème à en parler et à d'autres que les douleurs ne sont pas feintes. Diane Oller, je n'aille toujours pas bouger du lit en fin de soirée, Diane Oller a à nouveau pris la parole à ce sujet afin de faire un update à ses abonnés. Je n'aille toujours pas bouger du lit. Ça ira mieux demain, assurait-elle, avant de confier dans un clin d'œil, je me repose, je me suis posé devant la télé pour la première fois depuis très longtemps. Un repos bien mérité qui l'aidera à affronter cette nouvelle journée. J'ai une grosse journée demain avec un shooting après la radio pour une marque que j'adore, a-t-elle teasé. Et comme à son habitude, si est-il en grande forme, plus survolté que jamais, que Diane Oller a pris l'antenne du Morning Sans Filtre aux côtés de Guillaume Janton et Fabien Delettre ce jeudi 9 février. Ne remettez jamais en question la force des femmes.